Hey yo les petits potes, c'est Rookie, on se retrouve sur Warzone. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup ce mercredi est sorti le dernier kit de conversion de cette saison 4, saison 4 rechargée, et que c'est un kit pour le Basilic, qui est donc le kit, on va le montrer tout de suite, Gunslinger, qui permet en fait d'augmenter la cadence de tir et le nombre de munitions également du Basilic, ainsi que son temps de réactivité en fait, qui a priori selon eux est quasiment instantané. Voici les stats de l'arme. Moi, voici la classe que j'utilisais. Corvus LZR 790 pour tout ce qui est vitesse de visée. Le canon Ftac Carnivora 7 pouces pour tout ce qui est vitesse des balles, portée des dégâts. J'ai pas voulu utiliser le 10,5 pouces parce qu'on perdait en recul. J'avais peur que ce soit un peu trop. Donc c'est un peu à vous de voir. Là, on va jusqu'à 6,4 mètres quand même. Donc ça reste du court de portée. Là, on peut aller un peu plus loin jusqu'à 8 mètres. Ensuite, en bouge, j'ai mis le compensateur RVS 607 pour tout ce qui est donc contrôle du recul. Et enfin, en dernier, on peut ni mettre speedloader, ni mettre gâchette, ni mettre munitions, donc soit une lunette, soit une poignée arrière. Moi, je trouve que la mire est pas mal, donc j'ai mis une poignée arrière. La Bryzen WD85, puisqu'elle permet contrôle du recul, c'est la meilleure. Les autres, il y a un peu de pénalité, donc c'est un peu embêtant. La deuxième option, c'est aussi de pouvoir le jouer en akimbo. Vous pouvez le jouer en akimbo, ça diminue les dégâts. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Et si vous jouez en akimbo, vous mettez plutôt un laser pour tout ce qui est tir au jugé. Donc en l'occurrence, ce serait celui-ci, le plus intéressant. Voilà, profitez bien du gameplay, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et ça s'est bien passé hier alors, la signature, tout ça? Oui, il y a des mecs sur le toit. Ah oui. Un mort. Au-dessus de nous, aux mains faites, attention, il y a un mec sur le toit là. Il a sauté. J'en vois un truc dans la porte. Ah, on voit à travers le mur, il est à gauche. Ok, ouais, y'a un gars au-dessus aussi, je crois. Ouais, ok, je te suis. Oh non! Oh, pas plaise. Oh, je suis flashé, gros, je vois rien. Bien, wesh. C'est notre pote. Je me fais arracher. Oh, ok, nice. Un langage tactique approche de votre position. Ok. 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 Il y a des gars pas très loin, vas-y, je le pack. Allez, go. Ouais, il y a du monde, vous avez vu. Je propose de. Ouais, il y a un mec dans la maison là, vous l'avez vu. Mais attends, j'ai un truc pour te réagir tout de suite, Romain. Ah non, t'es déjà... Ok. Ok. Ok, ok, vas-y, bah go bateau. Je suis avec toi. Enfin, j'arrive. Il y a du monde partout, les gars. Je sais pas d'où je me fais viser, mais c'est. Ok, ok. Ouais, je vais trier un instant. Je vais utiliser mon truc. Je sais pas qui ça va arriver en premier. Ok, je reviens bateau. Il est en dessous de toi. J'arrive. Pas de masque. Si, il faut se casser les couilles. Mais c'est la merde, moi.
qui n'aide pas de s'ébarrer. Elle est en dessous. Vas-y, go en dessous, go en dessous. Ouais, je l'ai vu. Il est à l'aide, il est par terre. Nice. Ok, c'est pas trop mal la zone, on s'avancerait pas un peu? Il y a un mec là-bas, les gars, il y a un mec qui atterrit là-bas. Ouais, ok, par contre ça va nous viser, je crois, faites gaffe. J'ai des smokes, je mets des smokes. Fais gaffe, y a un mec là, hein, Guillaume. Nice. Je m'abrite. Ils sont tous en haut. Ouais. Mort à gauche. Il est en l'air. Wouh! Alors c'est pas fini. Réatoire, Romain.